Bonjour. Bienvenue à cette vidéo d'introduction au programme de premier cycle de l'École de politique appliquée. Mon nom est Marie-Ève Chrétien, je suis conseillère pédagogique à l'École de politique appliquée pour vous, mes étudiants de premier cycle. Laissez-moi vous faire le tour de votre école, l'École de politique appliquée. Aux côtés de spécialistes chevronnés, vous allez vous développer tout au long de vos 3 années. Le programme de formation est structuré en 3 ans. Vous offrant dans votre première année des cours obligatoires, deuxième année cours obligatoires ainsi que début d'amorce de cours optionnels et de spécialisation pour vous apporter dans la troisième année vers le tremplin et pouvoir aller au cœur de ce qui vous préoccupe au niveau de l'actualité internationale et nationale. Vous aurez un parcours qui vous permettra d'être initié au concept politique, d'approfondir vos connaissances, de développer des compétences et de consolider ses compétences. L'École de politique appliquée offre une foule d'activités pédagogiques qui fait l'envie de son programme, notamment les stages internationaux, multidisciplinaires, les stages avec des députés, la participation depuis 35 ans à la simulation des Nations Unies à New York, être formateur pour les élèves du secondaire qui vont faire une simulation des Nations Unies, être formateur pour des jeunes qui s'initient à la politique municipale, être rédacteur et analyste politique pour le site Perspective Monde et le jumelage parlementaire. Nous sommes fiers d'amener nos étudiantes et étudiants à devenir des acteurs de changement qui feront une différence dans notre monde. Allô, mon nom c'est Gabrielle, je suis étudiante en première année à l'École de politique appliquée. Juste une petite parenthèse en fait pour vous dire que la vie étudiante à Sherbrooke c'est extraordinaire. C'est une ville étudiante, c'est pas pour rien. Ça fait vraiment une belle ambiance, je dirais, à grandeur de la ville. Mais c'est aussi concrètement l'École de politique appliquée comment ça se vit, c'est en fait l'accessibilité des profs. C'est que quand t'as des questions, t'es capable d'aller cogner à la porte du prof qui va te répondre. C'est d'avoir de l'aide par les pairs, c'est d'avoir des activités qui sont vraiment exceptionnelles pour te donner de l'expérience. On parle de stage à l'ONU, on parle de stage à l'Assemblée nationale, en pairage avec des députés, on parle des jeux de la science politique aussi, que c'est vraiment extraordinaire, ceux qui l'ont fait peuvent vous le dire. C'est vraiment des belles activités, vraiment tout le monde ensemble, ça crée une espèce de gros sentiment d'appartenance, je trouve personnellement. On a des beaux cotons wattés, on est fiers de les mettre, puis on est vraiment vraiment contents, en fait c'est un peu comme une grosse famille. Donc si vous aimez la politique, moi je vous dis, la meilleure place pour vous c'est à l'EPA.